Lors de ma première naissance, je n'étais pas là. Je suis venu au monde le 4 juillet à Vancouver. Ils disent que je suis canadien. Né d'un grand pilote de Formule 1 et d'une mannequin russe issue d'une famille pauvre, rencontrée pendant le Grand Prix de Silverstone. J'ai dû être heureux. Il n'y a que du bonheur autour de Vancouver. Une qualité de vie incomparable. Comment voulez-vous dans ces conditions qu'un petit garçon devienne vaillant? Il ne peut qu'être normal. Ma seconde naissance, elle, est gravée dans ma mémoire. Une nuit. J'ai été enlevé par des hommes armés cagoulés de noir qui entouraient notre lit voiture Batman superposée. J'étais en haut, ma tête près du symbole jaune de la chauve-souris, alors que Zolder, mon jumeau, avait choisi le volant. Je ne l'ai même pas entendu crier, ni entendu se débattre. Des monstres venaient nous séparer. J'avais 5 ans quand ils m'ont vendu. Mon histoire est née cette nuit-là. Jusqu'à elle, la fille qui a tout changé.